Bien salut tout le monde, c'est le Fugitif 91 J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la petite review du film de My Hero Academia Hero Rising, hein, donc euh, qui est le film qui est sorti, euh, je dirais avant le confinement, en fait, techniquement. Et du coup, j'ai pu le voir euh, avec un lien qui a été partagé. Et d'ailleurs, avant de commencer quoi que ce soit dans cette review, si jamais pour les personnes qui auraient envie de le voir, je vous mettrai en description un lien donc ça se passera sur Facebook hein, malheureusement donc euh, je vais essayer de faire un lien téléchargeable par MegaUpload ou quoi que ce soit mais pour l'instant le lien donc est... sera dans tout simplement dans la description et si vous avez envie de le voir, la qualité est plutôt plutôt pas mal. Hein. Ça se passe en 480, donc c'est pas pas non plus de la HD ou quoi que ce soit, mais en vrai le film est très regardable. Hein. J'ai eu aucun problème à suivre toute l'action et en vrai euh, bah, c'est plutôt propre. Donc euh, je vous mettrai ça dans la description. Vous aurez juste à le regarder, ce sera le lien du film directement et pour euh, vous pourrez comme ça me dire si vous avez pensé comme moi le film ou quoi que ce soit. Mais du coup on va parler un petit peu de ce film. Alors euh, juste avant de commencer quand même je tiens à dire que ça va spoiler bien entendu que ça va spoiler hein, forcément parce que le film techniquement euh, il sort le mois prochain au cinéma donc euh, forcément donc euh, je l'ai vu euh, bien avant sa sortie en france même si euh, le film est en français enfin euh, un VOSTFR mais du coup euh, bon voilà je préfère quand même me dire hein, pour pas me dire euh, ouais tu m'as spoilé ou quoi que ce soit non pas vrai j'ai prévenu. En tout cas voilà. Donc on va pouvoir commencer à parler de ce film. Et euh, je vais déjà juste donner mon avis quand même. C'était euh, un truc de fou ce film. C'était une dinguerie complète. Vraiment j'ai surkiffé de A à Z. Euh, forcément il y a eu des petits détails qui m'ont chagriné. Mais en vrai c'est un truc de fou ce film. Hein. Autant le premier film, j'étais un peu sceptique, j'étais mitigé, vraiment j'ai pas trouvé forcément ouf, parce que je sais pas, le, le début de l'action j'ai trouvé que c'était pas pas terrible, c'était vraiment, euh, pour moi c'était assez mou, il y a vraiment que la fin du film qui était complètement spectaculaire mais euh, ouais, c'était pas un truc de fou, alors que celui-là par contre euh, bordel que c'est ouf hein, euh, franchement l'animation elle est dingue, les combats sont dingues bon voilà, par contre le scénario, on va commencer par le scénario il est pas spectaculaire hein. je veux dire, c'est juste à la base, donc là, on va, on va rentrer dans la, spoil, dans la partie spoil, hein, quand même. Donc là, en gros, c'est juste euh, une personne, euh, donc totalement inconnue. Hein. Forcément, le film n'est pas canon, moi, je pense. Hein. Euh, mais du coup, ça se passe après les 4 ans. Donc, enfin, euh, après la, la 4ème saison, je voulais dire. Puisque du coup, on a End qui est déjà numéro 1, qui est passé numéro 1, donc ça se passe juste après. Et euh, du coup, en fait, on a un camion euh, transportant une personne, un méchant qui, euh, son souhait, en fait, c'est limite d'asservir les humains, en fait, en étant le plus fort possible. Et euh, ça se basera, en fait, ce, ils veulent faire une sorte de, de monde utopique où euh, les plus forts régneraient sur les plus faibles, mais... Euh, en faisant que, que les faibles soient je sais pas c'est un peu spécial mais du coup euh, ouais en gros voilà c'est juste la quête d'un méchant qui veut devenir qui, qui veut asservir le truc donc c'est quand même assez basique hein, je veux dire c'est pas c'est pas un truc de dingue le scénario hein, vraiment <laughs> on n'est pas là pour ça je veux dire c'est de la castagne c'est pas comme c'est un petit peu comme je dirais comme le, le dernier Dragon Ball tu vois c'est vraiment il y a eu beaucoup de bassons euh, mais pour le scénario, bon, c'est pas, pas un truc de fou. Mais du coup, voilà, en gros, donc, ça se basera sur lui et trois autres membres qui sont plutôt stylés, je trouve. Donc, euh, en gros, ils sont libérés par, euh, par le, le. Comment ça s'appelle le, le, Les vilains, donc l'alliance super, des super-vilains. Et donc, euh, son objectif à lui, en fait, parce qu'il est malade, le gars. Euh, donc, euh, son objectif, c'est de pouvoir. Parce qu'en plus, il peut voler les. Euh, les pouvoirs donc de, 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 des personnes et euh, donc il veut capturer le pouvoir d'un petit garçon qui euh, en gros peut modifier les cellules ou je sais plus trop quoi pour euh, parce qu'en gros euh, ces cellules se dégradent ou c'est ce que j'avais cru comprendre euh, et donc euh, ce petit gamin a le pouvoir justement de pouvoir euh, contrôler tout ça et de le soigner et euh, donc forcément tout ça va se baser sur une île en gros, bon c'est pratique pour le scénario, on va dire, <laughs> parce qu'en gros tous les gosses sont envoyés, donc toutes les cols, toutes les de la première sont envoyés sur cette île pour pouvoir essayer de régler, euh, en gros, euh, euh, je sais pas, c'est un peu faire comme les flics, euh, en gros, euh, en gros leur test, c'est de pouvoir s'occuper de l'île sans avoir euh, justement les profs. Donc il n'y a aucun prof, il n'y a rien, il n'y a personne. <laughs> c'est très pratique aussi pour, euh, pour montrer euh, les gosses en enfin euh, sur le devant de la scène donc euh, du coup ils doivent s'occuper euh, ils vont à la plage ils vont interdire euh, voilà, d'aller se baigner vers les rochers de, de, de sauver des petits gamins qui sont trucs euh, d'aller de, de chercher des cerfs volants donc en gros ils doivent faire tout ça tranquillement donc en vrai ça va c'est pas plus, plus bullshit que dans le premier film où euh, ça se trouve sur une, sur une euh, île d'intelligence de, de, euh, supérieure avec que des intellos là-dedans, bon là c'est juste euh, une sorte de stage tu vois donc euh, c'est plutôt sympa et donc le fameux gosse justement se retrouve sur cette île et euh, donc son père était un peu, à peu près le même truc sauf qu'il peut ne soigner que les types A alors que son gosse justement lui il peut faire les types B donc le euh, son père se fait capturer ses pouvoirs et euh, il voit que donc il voit une sorte de vidéo pour... Euh, bah parce que du coup euh, ils savent qu'il est sur cette île donc forcément le méchant va y aller et puis voilà. Et ça va partir en couille assez rapidement mine de rien hein, le combat va arriver je crois au bout d'une petite demi-heure euh, de, de, de début de vidéo enfin même si on compte pas vraiment le début parce que euh, voilà ça a été assez rapide, hein, Endeavor a complètement cramé la voiture avec tout ce qu'il y a tête dedans donc c'était plutôt sympa. Euh, franchement les fights sont stylés de ouf, vraiment euh, c'est très impressionnant, on a ce petit gamin qui, qui veut essayer de devenir héros malgré que ses pouvoirs, il considère que c'est pas vraiment fait pour être héros alors qu'en vrai carrément que le mec il peut soigner euh, en manipulant les cellules ou je sais plus trop quoi, euh, en vrai c'est vraiment vraiment classe, genre... Euh à un moment donné euh, quand il va y avoir le combat donc euh, quand ils arrivent sur l'île déjà c'est un truc de ouf les mecs ils arrivent en bateau ils défoncent tout le tout le quai et tout c'est n'importe quoi euh, ils sont en train de par contre euh, c'est malin les, pour les méchants d'avoir détruit tout ce qu'il fallait pour, euh, pour justement pas qu'il y ait aucune communication euh, d'avoir détruit la tour euh, de communication d'avoir tout détruit pour justement euh, plus que les gens ils aient des réseaux qui soient vraiment Couper du monde, donc bon, euh, dans un sens, au moins ils sont dans la merde. Les gosses, ils vont devoir se débrouiller tout seuls. Il n'y aura pas de renfort, euh, Endeavor ne pourra pas venir comme ça. Mais du coup, euh, tu les vois, franchement, le, le, le premier combat qui, qui oppose, euh, justement, donc t'as un loup. Euh, qui peut cracher du feu, euh, qui, qui est ultra balèze en plus, genre il a une force assez vénère, hein, euh, genre il euh, y a Choto, il y a tout le il euh, y, y, y a un groupe de 4 quand même qui essaie de, de s'opposer à lui. Ils se font quand même un peu la lâter la bouche, hein, mine de rien, euh, le mec euh, bien vénère, hein, genre il met des putains de droite quoi. Euh, je me rappellerai pas par contre de tous les noms qu'il qu y a dans la classe. Hein. Je vous avoue qu'il y a tellement de personnages qu'à chaque fois je me rappelle jamais. Mais en tout cas, donc il y avait lui. Il y a aussi un mec avec ses, ses fouets, genre enfin avec ses, ses bandes ses, ses bandes euh, en gros qui peut genre, entourer n'importe quelle structure et prendre le contrôle. Genre euh, il, tu le vois, il enroule une voiture et la voiture elle se met à prendre vie. Donc euh, c'est un peu spécial. Genre il fait des sortes de marionnettes de voiture. De, 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 tu le vois, il prend une, euh, un disque distributeur de bouffe et tout et il essaie de faire d'ailleurs ça sur les humains euh, ça ne marche pas vraiment parce qu'en gros euh, c'est juste sur les sur, euh, sur, sur ce que tu portes sur toi même genre euh, il essaie, il le fait d'ailleurs sur Bak Bakugo donc euh, lui carrément euh, pour se libérer il fait exploser une de ses grenades là dans euh, pour, pour faire tout exploser autour de lui et euh, franchement le, les combats par contre sont Extraordinaire, vraiment, c'est un truc de fou. T'en as pour ton argent, c'est bon, euh, même si j'ai pas payé. Hein. Euh, par contre, ça me donnerait carrément envie de le revoir en HD avec euh, le Blu-ray quand il sortira. Mais euh, franchement, c'est ouf parce que les combats sont fous et genre, c'est bien orchestré. Genre, t'as même à un moment donné, euh, tu vas avoir. Par contre, c'est vrai qu'au début, ils se font lâter la bouche, mais c'est un truc de malade. Hein. Genre, dès que t'as la première apparition du méchant. T'as donc euh, Bakugo et euh, Izuku qui se font exploser, mais c'est un truc de fou. Parce qu'en gros le gars a 8, 8 euh, ézer, dire. non 8, euh, 8 pouvoirs, donc euh, non, enfin, même je crois qu'il en a même 9 en plus. Par contre le problème c'est qu'on en voit que... à tout casser on en voit que 4 je crois. Euh, parce qu'en gros il a un, Donc dans ses mains, il a, il a une sorte de pouvoir de, de balancer des rayons laser. Euh, ensuite il peut faire une sorte de bouclier de vent Qui peut euh, donc soit bloquer les coups Ou alors carrément renvoyer les personnes Et euh, il a une sorte de Enfin des tentacules qui sortent de dos Enfin euh, <laughs> c'est pas des tentacules C'est une sorte de, de bestiole en fait Genre euh, vraiment avec euh, des, des, des mâchoires et tout euh, Mais ils, ils disent comme quoi ils ont Qu'il a 9 pouvoirs Mais euh, dans tout le film Tu le vois en utiliser que 4 Parce que donc il peut contrôler le vent et tout euh, on va peut-être dire qu'il contrôle le feu à la fin vite fait. Parce qu'en gros il fait une sorte de tornade enflammée. Ah non si c'est vrai qu'il utilise l'électricité. Donc ouais on va dire 5. Mais euh, bon euh, on... C'est un peu con d'avoir dit qu'il en avait 9 mais qu'il utilise pas tout. Au moins, euh, genre, dites-nous qu'il en a cinq et qu'il les utilise tous. Parce que c'est un peu con de... Je sais pas, c'est comme si tu disais que t'avais euh, 10, 10 pouvoirs, mais que t'en utilisais que 2, tu vois, c'est un peu con. Mais en tout cas, euh, il est quand même ultra vénère. Parce que, genre, vraiment, il va te défoncer la gueule de Bakugo et de... Euh, et de Izuku, ils sont d'ailleurs même à l'article de la mort, hein, parce que genre, il se fait transverser par des par des, par des lasers, euh, euh, l'autre il se mange des grosses mandales, c'est un truc de fou. Et justement, il a fallu que, que ce petit gamin euh, puisse les soigner de, de ce truc pour pouvoir vraiment euh, qui bah, qu se, qu se ressaisissent, parce que c'était clairement la mort pour eux. Mais du coup, euh, ensuite, tout le combat va se passer sur deux îles. En fait, il y a une île où, justement, c'était à peu près tout le truc où il y a la village, y a... en gros, c'est vraiment là où ça se passe au début, où ils vont sauver tout le monde, et ensuite, c'est relié par un petit couloir avec une sorte de ruine, et c'est là que, là, ça prend une ampleur de dingue, les combats sont ouf, et en plus, il y a pratiquement, parce que je dis pratiquement, parce que je crois pas que la meuf invisible euh, était mise sur le devant de la scène, hein. je me rappelle même pas si elle a fait quelque chose, parce que je crois qu'elle a juste été chercher un petit gamin qui était, euh, qui était bloqué ou quelque chose comme ça, qui a perdu sa daronne. Mais vraiment, il y a pratiquement tout le monde qui est mis en, en avant dedans, c'est ouf. Le mec avec son laser pour le, le ventre, il fait des trucs de dingue. Même, euh, putain, mais c'est un truc de fou. Vraiment, t'as Ochako, en vrai, je la trouve impressionnante dans ce film. Euh, bordel, mais genre laisse tomber. Hein. Elle est putain de mis en avant, c'est un truc de fou. Euh, bon bah sans parler de, des deux héros principaux bien entendu, mais euh, Ochako impressionnante. Hein. Genre elle balance des milliers, des milliers de caillasses euh, avec l'autre là qui balance ses bandelettes là pour lui balancer donc pour régler tout ça. Genre elle monte à un mur complet de boulets de des, des gros rochers énormes où tu la vois, euh, elle se défonce complètement pour faire tout lever et balancer tout sur le héros, enfin sur le méchant plutôt. C'est un truc de fou genre vraiment l'animation euh, il n'y a, a rien à dire sur l'animation c'est un truc de dingue et sans parler du combat final qui est très impressionnant c'est euh, même si c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a un petit peu chiffonné en gros euh, tu vois qu'ils euh, sont clairement dans la merde, le, euh, le méchant est vraiment ultra badass, ultra fort, parce qu'il se sacrifie limite, euh, je sais pas, il a une, 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 une sorte de, de fiole en fait euh, de pouvoir euh, pour booster ses pouvoirs à la fin dans le dos, et il utilise tout pour, euh, pour justement ce combat, parce que du coup, s'il arrive à buter toutes les, tous les héros, enfin seulement il va avoir le, le gosse pour pouvoir capturer ses pouvoirs et ensuite euh, bah, se soigner, donc après il s'en fout. Donc il, il claque vraiment tout ce qu'il peut, et... Euh, tu vois que les héros sont sur le point de perdre. Vraiment, ils sont à l'agonie. Euh, ils ont utilisé même leur 100% de power et ils n'y arrivent pas. Par contre, c'est à ce moment-là que là, c'est un truc de ouf. Et euh, bon, forcément, les musiques sont vraiment pas mal. Mais genre, euh, carrément, Izuku va transférer ses pouvoirs à euh, Bakugo pour utiliser le double One For All. C'est un truc de fou. Et du coup, tu as carrément euh, <laughs> C'est un truc de fou. La fin, elle est dingue de chez dingue. Il y a juste un petit regret, donc euh, je le dirai juste après. Mais en gros, t'as Izuku euh, en mode 100% avec les cheveux en l'air, comme dans l'anime, euh, en mode 100% de, du, One for, du One for All. Et à côté, t'as Bakugo, pareil, avec les cheveux en l'air et tout, en mode 100% c'est un truc de barjo, c'est un truc de fou, genre tu les vois en mode full puissance et j'ai bien l'impression qu'à un moment donné justement euh, le fait qu'il se soit touché comme ça donc euh, avec les doigts euh, t'as l'impression je, je veux pas dire de conneries mais je crois que euh, Izuku peut utiliser le pouvoir de Bakugo euh, parce que je sais pas un moment il a une sorte de flamme dans les mains. Donc euh, je sais pas trop, c'est un peu spécial mais cette fin de combat elle est Ouf, mais genre ouf. Le seul regret, comme je disais du coup, c'est qu'à un moment donné, tu vois genre la musique, enfin la musique prend le dessus par rapport à l'action et euh, genre une bonne partie du combat, on n'a aucun son. Euh, genre vraiment, c'est juste la musique et tu les vois se déplacer, mettre des grosses patates et tout. Et euh, c'est là où j'ai un petit regret, c'est qu'on a il me manquait moi ce, ces impacts là les bruits d'impact de ouf où ils se tabassent sur la gueule et la musique en plus est un peu trop douce euh, pour moi ça manquait d'une musique un peu trop un peu épique euh, là c'était vraiment une musique euh, je sais pas une musique beaucoup trop banale un peu trop un peu trop passe-partout et du coup c'était pas assez euh... C'était pas pour mettre un peu l'action en, 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 en avant, en fait. Et du coup, euh, t'avais aucun bruit, quoi. C'était un peu dommage, genre, vraiment, t'avais zéro bruit. Alors que c'était la scène la plus badass de, du film. Euh, vraiment, je trouvais ça un peu dommage qu'ils aient fait ça. Pour, euh, bah, je sais pas, genre... Euh, quand tu mets une scène finale, tu nous mets les impacts, tu nous mets tout ça. Tu, tu, tu fais pas juste une musique. Bon après, il y a quand même la fin où genre où ils mettent la bataille, le combat final et euh, la, le, le point, le coup de poing final avec euh, le bruit cette fois-ci. Mais tout le combat, bon, ça m'a un peu chagriné quand même. Par contre, bon, l'action, elle, elle, elle est méga badass. Hein. Franchement, je vous invite vraiment à regarder ce film. Hein. D'ailleurs, comme je disais, euh, le lien sera en description. Mais du coup, euh, clairement, par rapport au premier film pour ce film il, il est je, je le reverrai parce que autant le premier je le regarderai pas juste la scène finale par contre mais euh, celui-ci euh, voilà il est complètement fou et euh, vraiment c'est un très très bon film l'action est ouf la musique bon elle est sympa à part la la fin comme je disais bon le scénario comme je disais il est bateau mais sinon voilà le film est plutôt très très beau à regarder mais euh, ouais, non, franchement, j'ai pas grand chose de plus à dire que ça. Donc, euh, en tout cas, voilà. Donc, j'espère que cette petite review vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé, bien entendu, dans la bah, dans les commentaires. Si vous avez vu le film, et si vous regardez le film peut-être après. Euh, N'hésitez pas à me dire après ce que vous en avez pensé. En tout cas, voilà. J'espère que cette petite review vous aura plu. On se retrouvera donc pour une prochaine. D'ici là, je vous dis donc, portez-vous bien et à la prochaine.